Oh, mon poussin, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Papa et moi, nous serons juste à côté. Pourquoi vous tuez des personnes? Excuse-moi? Pourquoi vous tuez? En fait, c'est un peu un passe-temps. On fait ça pour se détendre. Je vais être un tueur, moi aussi. Oui, bien sûr, c'est une tradition familiale depuis des générations. Mais la violence, c'est mal. Pas vrai? Ils l'ont dit à la télé. Pas la violence. Les violons. Les violons sont mauvais. Cette espèce de bruit strident va rendre le pays complètement dingue. Chucky, Glenda a raison. Il est grand temps de le reconnaître. On a un gros problème d'assassinat. Non, moi je n'ai aucun problème d'assassinat. Ça me plaît de commettre un meurtre de temps en temps. Où est le mal? C'est une dépendance de tuer, comme n'importe quelle autre drogue. Mais on est parents à présent. Il faut qu'on montre l'exemple. Oh, et si on arrêtait Chucky, là tout de suite? C'est une bonne idée, hein? T'es pas un peu folle, je peux pas faire ça. Promets-le-moi, Chucky. Terminez les tueries, Chucky. Non. Non. Je t'en prie, non. On doit non. Arrêter non. De tuer désormais. Ça, on jamais. Doit penser à l'avenir. Non. On non. A un enfant. Non. D'accord. Ça va, je cède. C'est promis. Oh, merci, mon poupon. T'es un amour. Alors maintenant, on est vraiment la famille parfaite. T'as entendu ça? Vaut mieux oublier le réalisateur et vous farcir l'exterminateur de rats. Alors, de quoi j'ai l'air? Ne réponds pas. Jennifer, ce n'est pas digne de vous. Réfléchissez à ce que vous faites. Qu'est-ce que tout le monde pensera de ça? On s'en fout de ce que tout le monde pensera. Mais est-ce que vous réalisez que c'est avilissant? Je ne veux pas le savoir. Vous vous prostituez pour pouvoir interpréter la Vierge Marie? Joan, je ne veux pas le savoir. Vous êtes trop perfide. C'est l'enfer qui vous attend. Non, l'enfer ce serait une compétition de gobage de verre blanc, un facteur de risque pour star proche du déclin avec Anna Nicole Smith. Vous gagneriez sûrement. Il est là. Sors par l'arrière, s'il te plaît. Et pendant que tu y es, pose donc ton double des clés dans le vide-poche. Que voulez-vous dire? Eh bien, tu trouves ma conduite dégueulasse? Tu crois que je brûlerai en enfer? Je m'efforce juste de survivre, tu sais, John, et je serais désolée de te faire chuter avec moi. En un mot, tu es virée.